Yo 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 yo. Nous sommes la Darox, je suis la Varielle, et vous êtes en compagnie de Roxy et Fardal. Nous allons vous amuser, et pour votre information, nous vous souhaitons une merveilleuse et bonne après-midi. Yo 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 yo. Bonjour à tous, vous êtes sur la Darox en compagnie de la Varielle. Salut. Et de Roxy. Alors nous allons continuer notre let's play sur Heavy Rain, normalement c'est l'épisode de fin. Et c'est moi qui ai la manette, parce qu'on a décidé, parce qu'en fait c'est Sean qui joue et bon bah... on sait pas trop ce que c'est, donc voilà. En fait aucun de deux n'a vu ça. À part qui, je sais pas ce qu'il a fait. Ah, bon. Ah mais non, c'est Tan en fait. Et pourquoi on a vu la tête de jeu? Je sais pas. Ah, parce que c'est parce qu'on va le sauver. Ouais. Bah, du coup, c'est quand même moi qui joue Ethan, donc ça tombe bien. Ouais. Bah, normalement, il est pas tout seul, ils sont à trois. Sean! Sean! Pourvu que j'arrive pas trop tard. Sean, où est Sean? Sean! Sean! J'ai cherché pendant très, très longtemps, Ethan. Je cherchais un père qui serait capable de faire ce que le mien n'avait pas pu faire. Se sacrifier. Ben, il l'a fait. Pour sauver son fils. Non, mais là, Ethan, oh, il j'ai cherché, et cherché. Puis, parce que là, Ethan, il l'a fait. Enfin, il a pas vu son bazar. J'ai repensé à vous. Ah ouais, il s'est sacrifié. Il était là. Moi, j'ai pas vu tout ça, vu que Ethan était en prison. En fait, j'ai raté... En fait, j'ai pratiquement rien vu. C'est un meurtre. Juste pour trouver un père. Est-ce que vous savez seulement ce que ça fait de penser que vous valez moins qu'un chat crevé aux yeux de votre père? Croyez-moi, j'ai souffert. Tout autant que mérité. J'ai réussi toutes vos épreuves. Alors maintenant, rendez-moi mon fils. Il est là. Vous n'avez plus qu'à ouvrir cette grille. Bah, fais-le. Il faut que j'ouvre cette foutue grille. Vite, il faut que je trouve quelque chose. Je vais te tirer de là, Sean. Parce que...
Voilà, elle était là. En fait, moi j'avais que ça, mais avec la fille. Elle avait pas de pistolet. Bah, au moment, Madison doit débarquer. Donc là, c'est la variole qui est la manette. Ouais, c'est sécurisé. Moi, tout ça, j'avais dû jouer. Le suspect est dangereux. Ordre ah, il est là, lui. Les unités de tirer ah, à vue. Ah, mais il vient pour Ethan. Je répète, non. Ordre à toutes les unités de tirer à vue. Il vient pour Ethan, il vient. Les snipers sont en position. Oui, lieutenant. Ils attendent vos ordres. Parfait. Cette fois, il nous échappera pas. On le descend à l'instant même où il se montre. Le monde qu'il y a ou quoi? Je sais pas si. Si hey, non, ils vont me dire. Vous là-bas. Il y a les pattes, tu vois. Pas de tête. Lieutenant, je m'appelle Madison Page, je suis journaliste. J'ai la preuve qu'Ethan Mars est innocent. Il n'est pas le tueur aux origami. Ash, qu'est-ce qu'une journaliste fout ici? J'avais demandé que tout le monde la ferme. Dégage-la d'ici, je veux pas l'avoir dans les pattes. Bien, lieutenant. Allez, venez. Vous allez commettre une énorme erreur, lieutenant. Ethan Mars est innocent, je peux le prouver. Bah en fait il est en train de voir Jayden en train de le tuer et Jayden il est là. J'ai mais comment il pense à lui. Ah tu y es. Ah c'est à toi. Oh, c'est hyper grave. On va le refaire. Tu vois ça c'est horrible. Ne meurs pas bébé, je t'en supplie. Allez. Bébé. Respire. Et pourtant on a le BEPS, hein, mes amis, on a le BEPS. C'est vraiment le suspect, tout ça. Regarde, okay, voilà. D'ailleurs, ils ont rien rajouté. J'ai eu tellement peur. De dommage. Une partie. Ash, vire-moi ça. Il faut me croire, Mars n'a rien fait. Il est innocent. Ah hey, qu'est-ce que vous faites? Ouais, tu blagues, parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? À toutes les unités, ne tirez pas. Je répète, ne tirez pas. J'ai peur. J'ai vu, j'allais tuer la femme, mais putain, mais c'est vraiment des connards. Madison?
Mais qu'est-ce que... Les flics, il y en a partout. Ils ont encerclé le bâtiment. Si tu sors, ils vont t'abattre. Je vais sortir seul. Je vais tout leur expliquer. Ils t'auront descendu avant que tu aies le temps d'ouvrir la bouche. Non. On va tous sortir, tout doucement, les mains en l'air. Ils ne pourront pas tirer sur nous. J'ai de quoi prouver ton innocence, Ethan. Bon, en fait, elle a rien fait. Madison, pardon parce d'avoir que dans de toi. Le truc, c'est moi, elle, c'est elle qui a tout fait. Je ne pensais qu'à Sean, et je croyais... Rien, ça sert à rien. Tout est fini. L'important, c'est que tu aies sauvé ton fils. Ah ouais, le gars est toujours pas mort. Hein. Est-ce que c'est bien, tout est beau. L'histoire est beau, quand il est encore en vie. Hein. Normalement, Ethan va se rendre à la police, il va faire sa déposition et ils vont vivre une vie heureuse. Bah, moi, donc la fille revient avec le gosse, mais il n'y avait pas la police, hein, donc elle va à la police. Et du coup, il libère Ethan, qui est en prison à ce moment-là. Et on voit Blake qui garde les affaires de Jayden vu qu'il est mort. Sean sauvé. Et voilà. Et elle devient célèbre. Et Ethan, il a son gosse, et voilà. Fin de l'histoire. C'est... Attends, parce qu'il y a rien. Ouais, mais on s'en fout. Écoutez ce que je viens de dire. Bah, je suis omnibulé par 4 héros. Ah ben voilà, on a réussi à trouver les 4 héros de l'histoire. Ouais. Ils sont vivants, enfin. 4 ? Il n'y en a que 3. Enfin, il y a l'autre, c'est le méchant. C'est le soulagement ce matin après que la police a annoncé avoir retrouvé le petit Sean Mars vivant. Plus de 4 jours après sa disparition, le petit garçon était séquestré dans un puits par celui qu'on appelle le tueur aux origami. Cet heureux dénouement n'a été possible que grâce au courage et à l'abnégation d'Ethan Mars, le père de l'enfant qui avait été soupçonné par la police. C'est sans aucun doute son courage et sa ténacité qui lui ont permis de sauver la vie de son fils. Aujourd'hui, la police de la ville lui a officiellement présenté ses excuses. À la une aujourd'hui. Finalement, la police est parvenue à identifier le tueur aux origami. Il s'agit de Scott Shelby, 48 ans, un ancien lieutenant de police devenu détective privé qui prétendait avoir été mandaté par les familles des victimes pour enquêter. Scott Shelby a été tué pendant l'opération dans des conditions qui n'ont pas été révélées pour le moment. C'est dégueulasse comment il est mort. Ça, j'ai pas vu. Ça, c'est quand tu te souviens l'appartement de...
Madison. Disons que c'est un copain d'un copain qui m'a refilé le tuyau. S'il nous plaît, il est à nous. Ouais, c'est sympa. Hein. Non, moi j'avais pas ça. Ils se sont même pas mis ensemble dans mon histoire. Pourtant, ils étaient tous les deux en vie, mais ils sont pas mis ensemble. Et regarde, papa, je crois que j'ai trouvé ma chambre. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses, hein? C'est parfait. Et puis, bah, on prend un autre sacre. Il est un doigt arrivé à oublier ce qui s'est passé. Tiens. On va reprendre une vie normale. Regarde, c'est brûlé, tu vois, il est... Et un jour, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ah, ça c'est magique. Regarde, regarde, tous ces poissons-là, non? On a gagné le droit d'être heureux maintenant. Tous les trois. Ouais, regarde, son doigt repoussé. Attends, ah non. Attendez, va chercher un couteau, je vais essayer. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est qu'un jeu vidéo, après tout. Parce qu'en fait, ça t'aurait... Parce qu'il y a peut-être moyen de faire sans faire des choix, mais vraiment, t'as aucune lettre et je sais pas comment tu fais. Ouais. Ça, franchement, je sais pas comment tu fais. On a fait comme ça. L'invité d'aujourd'hui fait cette semaine la couverture de World Magazine. FBI, non, et est acclamé par tout un pays. Moi, il était mort. Comme un véritable je sais pas héros. Si pour moi, il n'y avait pas ça. Il a accompli un exploit en arrêtant la sinistre série de meurtres perpétrés par celui qu'on appelait le tueur aux origamis et en sauvant la vie du petit Sean Mars. Sa détermination, son courage, son intelligence forcent l'admiration. Norman Jayden. Le temps. Ouais, il est voulu. Et voilà, et Norman, il est important maintenant. Ouais. Putain, on va voir toutes les fins. Moi, j'ai eu rien de tout ça. Donc... Ah ouais. On va peut-être décider d'arrêter. On va le jeter. Tu vois, ça finit que... Il essaie de faire une queue, je sais pas. Et toi, il le jette et il essaie d'arrêter. Il n'a qu'à faire une queue de désintox. En bref, il arrête cette saloperie. Ah, du coup, il a un truc vraiment bien parce qu'avant, c'est vraiment de la merde. Ouais, parce qu'avant, franchement, avec plein de poussière. Il est devenu plus important avec ses petites lunettes, il me fait trop rire. On dirait quand même un autiste quand on le voit comme ça. Non, quelqu'un il rentre, il voit ça, il fait Il a pas vu tout ça. Ce qui est bizarre, c'est que il a développé un pouvoir magique. C'est-à-dire que tant que même sans ses lunettes, il les voit. C'est parce qu'il est drogué. N'importe quoi. Là, regarde, il peut bouger les temps sans il a le pouvoir. Bon, ça on va dire que c'est juste pour le truc, hein, parce que... Ou alors c'est parce qu'il se prend drogué, en fait il a besoin de drogue, il en rend et... Aussi. Ah, ils vont se marier peut-être. Ah bah Lorraine, c'est vrai quoi là. Ah bah ton mec c'est un psychopathe. Hein. T'as rien perdu ma belle. Tu as tué mon fils. T'as tué aux origami, il a tué ton fils, voilà. Ça c'est chaud pour moi. Mais comment as-tu pu me prendre dans tes bras? Et c'est le mec qui a tué son fils. C'est hyper trash. Quelque chose pour tes raisons. Rien n'excuse ce que tu as fait. Je ne ressens que du mépris envers toi. Que du mépris. Tant que Mathieu, il est tout.
Ils auraient quand même pu l'enterrer près de Prison Break. Bah, je crois qu'il est peut-être juste à côté. Hein. En tout cas, il est dans le même cimetière. Yes. I want to see them again. I'm a father too. Non, parce que justement. Parce que moi, justement, j'ai fait tous les autres choix. J'ai dit, ah, ça va donner ça, ça va donner ça. Ah, ça va donner ça. Genre, tu vois, quand j'ai raté le saut pour s'enfuir, et ben moi, j'avais raté. Donc, moi, je me suis fait attraper. Et puis, eux, ils ont montré le saut qui était ça. Je me mets. Ah, c'est ça, c'est pas ça. C'est quoi, j'étais là pour une canne. Ça, j'ai une fois réussi. Ah, ça allait plus vite, hein. En faisant comme ça, on n'aime pas parler avec lui. Ma fin, donc pour moi il était en prison, le bébé était mort et il restait juste Madison. Madison a fait tout toute seule, elle est devenue célèbre, elle a écrit un livre, ce qui est devenu un best-seller, et on voit qu'elle a écrit des autographes, et Ethan, pour lui donner une nouvelle maison, retrouve son fils, et je pense qu'il retourne avec son ex-femme, je pense. Et on voit que lui il est mort, puis on voit que toi les gens d'amour, stay back! Don't come near me, or I'll shoot! Ah oui, dans ce sens-là. Voilà, ça vous intéresse Ah voilà, je sais pas si ça peut passer. Je sais pas. Ah voilà, c'était sympa comme petit jeu. En tout cas, on a pris plaisir à. Ouais, franchement, j'ai pris du plaisir à faire. Tu découvres un truc avec Beyond Two Souls aussi, non? Oui, voilà. Et si j'ai pas découvert un truc totalement différent, il y a des moments de partie que j'avais pas fait. Si je peux acheter un livre, des moments de tête. C'est pas la découverte, je voulais déjà tous les deux jouer. On y a joué, on a testé le jeu. On a mais bon, toi, t'as fait beaucoup de fois. Moi, j'avais joué qu'une seule fois auparavant. J'ai eu qu'une seule fin. Que toi, t'as déjà eu pas mal de fins. J'ai eu deux fins, en fait. Non, trois fins. J'ai eu la fin bête où l'FBI meurt, la journaliste meurt. Et du coup, le jeu s'arrête. Parce que si les deux personnages, FBI et journaliste meurent, ben, le jeu s'arrête. Mais Ethan. Ethan s'arrête. Ouais, ça s'arrête. Enfin, franchement, j'ai jamais. Parce que s'il fait toutes les adresses, quand même, enfin, je sais pas. Ou alors, ouais, mais c'est parce que pour trouver la dernière adresse, mais non, on sait que c'est Rhodes, tu vois, mais c'est lui qui sait pas que c'est Rhodes. Ouais, mais bon, s'il fait tout, s'il fait tout, s'il voit quoi, même le truc et qu'il sauve le gosse et qu'après il meurt, bah il peut quand même sauver le gosse. Hein. Ouais, mais du coup, je vois pas quelle fin ça serait possible vu qu'il y a que le gosse qui vit. Bah, on voit le gosse qui va chez sa maman. Maman, je suis en vie. Et bah, enfin, en fait, non. Bah si, il faut qu'Ethan tue le méchant, sauf son gosse. Je crois que si cette fin-là, moi j'aurais imaginé une fin comme son père meurt, l'agent du FBI meurt, le truc meurt après, et que le gosse bah, devienne lui-même le tueur aux origami parce qu'il est devenu fou. Il est traumatisé aussi et il devient lui-même, et donc ça aurait pu donner une suite, un Heavy Rain 2 par exemple, ça aurait été pas mal. Mais ce n'est pas le cas. Ça aurait été pas mal. Maintenant, dites-moi mon avis sur le commentaire. Vous avez aimé. Ah là, on va faire l'histoire alternative, et quoi c'est ça, hein. Oui, vous allez pouvoir faire l'histoire alternative. Et on a le contenu additionnel aussi. Ouais. Parfait. Enfin, voilà. En fait, nous n'avons pas fini, ils vous montrent la fin, mais nous, on n'a pas fini. Non, nous, on est excellent, on vous met des bonus. On montrerait pas aussi quand la partie où. Où nous, on a réussi, mais d'habitude, on arrête la dernière lettre. Et qui sort.
Mais je pensais qu'ils allaient montrer un truc autre chose à la place, mais ils n'ont rien montré. En fait, c'est pas intéressant. Enfin, de suite. Comme titre, alors, on est épisode bonus. Après ça, on arrête. Quelle heure est-ce ? On est jeudi, hein. C'est hier. C'est juste la bataille sur voilà, ma vie personnelle, si vous voulez. J'ai une formation, voilà. S'il y a un employeur qui regarde, j'ai une formation en tant qu'agent d'éducation, je suis dynamique, je suis compétent, je fais ce que vous voulez, et embauchez-moi ou sinon je vous casse la gueule. C'est ça, c'est sûr que ça va donner envie, bon, c'est la soirée. Excusez-moi, non, c'est une blague. Viens t'asseoir ici. Par contre, j'ai vraiment mon diplôme d'agent d'éducation. Et je suis créatif, parce que je fais des jeux drôles. Eh bien voilà, c'était très sympathique. J'espère que vous avez adoré. Mettez un et like. On va s'arrêter ici pour cette petite vidéo. Et donc nous ferons les vidéos de bonus au prochain épisode. Ben voilà. Nous vous disons à très bientôt. Passez une excellente journée. Et abonnez-vous, mettez un like. Et bonne journée. Bye tout le monde, mes très chers amis. Salut tout le monde, à la prochaine. Bisous, bisous.